Chers téléspectateurs, bonjour. Merci à vous d'être là dans nos programmes, dans notre émission. Espace Dialogue avec moi, Josué Boloa, l'international. Merci pour choisir ce programme. Espace Dialogue, c'est là où la réflexion et la connaissance se rencontrent. Très ravi. Voilà, à l'actualité, à la une, comme vous savez, chers amis téléspectateurs, d'abord, merci à vous de pouvoir choisir ce programme. Merci aussi à la grande dame Francine Nguembe de la Belgique. Merci. Je suis en Afrique du Sud, spécialement dans la province de Cape Town, Mada City, une ville touristique. Vous pouvez nous visiter pendant ce temps de décembre. Nous approchons petit à petit vers les vacances. Et l'hiver, le soleil, le sama, l'été, voilà comme on dit en français. Et là, je vois, bon, Cape Town, le climat est un peu variant, hein, et le climat est un peu rotationnel, s'il faut le dire ainsi. Donc il y a un peu le chaud, le froid, un peu le vent, voilà. Mais n'empêcherait que c'est le bon moment de venir prendre, de faire la visite et de passer un peu le bon moment avec les amis, les connaissances, avec la famille qui sont ici en Afrique du Sud. Voilà, maman Francine Nguembe de la Belgique, et merci. Alors, nous allons juste réfléchir sur le plan religieux dans le sens que vous avez connu. Que notre bien-aimé, notre frère, Papa Matou Samuel, qui est ce Mouyessou, qui a perdu sa femme, Mama Kapi, que nous vraiment disons que son âme repose en paix. Finalement, que son âme repose en paix, parce que, après beaucoup de dégâts, après beaucoup de problèmes dans son mariage, tout ça, et dommage que notre maman nous a quittés. En fait, je viens juste pour faire la récapitulation, pour un peu réflexion de cette. C'est vrai que les gens pouvaient dire, ah, mais bonjour le bâté, botika ningwana. Et nous avons vu, on a suivi à la une ce qui s'est passé, l'enterrement, la morgue, la sortie du corps. On a vu comment les enfants ont témoigné, tout ça. Et ce qui est bizarre, c'est que toute personne qui a pu insulter, tu vois. Moi, mon problème, c'est quoi? C'est combattre les mauvaises, les mauvaises manières, hein, la manière de faire les choses que nous, entre guillemets, le chrétien, je dis entre guillemets parce qu'il y a aussi des vrais chrétiens qui n'ont pas de guillemets. Et moi, je trouve que si tu es réellement un enfant de Dieu, chrétien, au vrai sens du mot, je crois que tu ne vas pas même t'appeler chrétien toi-même. On ne dit pas que moi, je suis chrétien. Non. Les gens vont voir que tu es chrétien. N'est-ce pas? Les disciples plutôt étaient à l'Antioche. Ce sont plus ces paroles, ces manières de faire les choses, leur manière de faire les choses, leur comportement, les réactions, ont fait que les enfants, les gens d'Antioche, qui l'ont appelé chrétien dans le livre des Actes. Alors, aujourd'hui, les gens s'appellent des chrétiens, mais quand tu regardes leurs habitudes, ils ne sont pas sérieux. Dans les choses de Dieu, ils ne sont pas sérieux. C'est ce qui est bizarre. La chrétienté se définit lorsque tu as des problèmes. Tu t'es défini toi-même, est-ce que je suis vraiment un enfant de Dieu? Lorsqu'on dise n'importe quoi sur ta réputation, ta manière de réagir, je dis souvent, le problème n'est pas problème. Le problème est problème, c'est la manière dont tu résous les problèmes. C'est ça maintenant le problème. Le problème n'est pas problème. Le problème devient problème lorsque tu résous différemment. C'est ta manière de résoudre le problème qui est problème. Tu vois, parce que le problème en soi n'est pas un problème. Mais le problème, c'est la manière dont de résoudre ce que toi tu appelles un problème, ça devient un problème. Mais lorsque tu sais comment résoudre ça, tu trouveras que ce ne sera pas un problème. Et tout ce que toi tu trouves que c'est un problème, c'est pas réellement un problème. Tu vois? Donc c'est ça un peu le problème que nous avons, nous les Africains, nous les Congolais. Tu vois? Donc je parle par rapport à, j'ai observé ce qui s'est passé, l'enterrement des femmes. Et surtout quand je vis dans la morgue là, my goodness, on insultait Azanouki, Matushamanouki, Asaliboué. Et puis bon, je ne sais pas avec le sujet de l'internet, là non, maman livre les Kaikotala, ma papa Matushamala, Tikeliembongo, les PCD exordre et tout ça. Vous avez vu, est-ce que maman livre Lembe Kabila a déposé l'enveloppe? Combien? Vous avez vu ça? Même s'il faudrait qu'à Tikan, ouais, c'est un problème, nous, est-ce que c'est un problème? Parce que la personne est éprouvée. Il a laissé combien d'enfants? Il y a un problème. Donc, je ne me fais pas l'avocat du diable ou l'avocat ou peut-être les défenseurs de Matou Samuel, mais moi, je me lève souvent contre les anti-valeurs qui combattent notre environnement, notre pays, notre communauté. C'est un problème, le problème que nous avons, le problème de ça, de la mentalité, la manière de voir les choses, et puis la manière de faire les choses. Moi, je trouve que si tu insultes personne, ça, tu penses que si tu insultes personne, si tu insultes quelqu'un, que ça change les choses, ça change absolument rien, n'est-ce pas? Et il y a eu des émissions qui ont été faites, les gens sont disant, les serviteurs de Dieu, ils n'ont même pas les Matou Samuel au maître, pour savoir si Matou Samuel Azam Tabakisi, est-ce que tu as vu ça? Mon frère, ma soeur, toi qui me suis,
Peut-être que tu n'as pas été au camp Kinshasa, mais peut-être que tu as sapoté, tu as supporté les gens qui insultaient, qui disaient n'importe quoi sur le frère. La personne était le frère Matusa, moi disons Kazandoki. C'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. Épisode de futilité. Je l'ai dit dans les émissions antécédentes ou précédentes que nous avons un problème de mentalité, nous les Africains, nous les Congolais. Tu vois. Et que tu sois. Peut-être que tu n'es même pas proche de la famille de Kapi. Tu n'es même pas proche de la famille de Kapi. Mais tu commences à conclure que Matoua Balali Soussouté, Matoua Zanabo Toutou. Qui te dit Kazanabo Toutou? En plus de cela, Matou n'a pas accouché Basi Misa Touté. C'est du fou. Matou Samali, ça c'est la deuxième femme. Donc vous parlez des choses que vous n'avez pas de preuves. Vous ne connaissez même pas. Tu as entendu que les gens disent que troisième mois, quatrième mois, c'est à Balako Touté. Ça n'a pas de sens, cher ami internaute. Nous avons un problème de raisonnement. Nous avons un problème de manière de voir les choses. Je dis souvent, le problème c'est que l'enfant de la Belgique, c'est ça le problème que nous avons dans notre communauté, notre mentalité, notre communauté, nous, notre communauté. On a un sérieux problème. Et surtout lorsque quelqu'un perd lost someone who is dear, quelqu'un qui était cher, mais vous ne savez pas la peine que la personne traverse. Je regardais Papa Matou droit aux yeux lorsque maman Livlembe est venue la visiter, plutôt le visiter. Je me dis, wow, il pleurait en chantant. Je peux sentir les douleurs. Je peux sentir que le cœur est déchiré. Imagine-toi, même pendant que le corps sortait, mais c'est trop bizarre. Azandoki, Yewana Liemwasi, Abala Lissoussouté, Tokotala. Mais j'ai aimé l'intervention d'un des membres de famille. Il a dit, nous ne savons pas. C'est vrai que Papa Matou Samuel a sa responsabilité. Il a des choses à fixer avec le Seigneur. Nous ne savons pas pourquoi Azokou fait la boissy. Et je ne trouve pas, je ne pense pas qu'il est la première personne. Et Azokou fait la boissy. Non, il n'est pas la première personne. Il n'est pas la première. Et ce n'est pas seulement Matou Samuel qui fait Azokou fait la boissy. Il y a des femmes aussi, Azokou fait la mibali. Qui sait? Qui sait? Quelqu'un qui est dans une situation un peu trop critique, douloureuse, il se pose tant de questions comment prendre soin de ses enfants, et parmi les enfants, ils se sont déjà habitués avec leur maman, comment il peut, how can he manage, comment il peut s'en sortir, et lorsqu'il sort dehors, botalaye, azana botoutou, botoutou ango, toi tu as vu ça, mon frère, ma soeur. Hein, mon frère, tu as vu ça, peut-être que tu as aussi participé aux insultes. Mais tu peux la vie bien. Tu as vu ça bien. Est-ce que tu as vu bien? Pourquoi nous ne pouvons pas changer notre mentalité, la manière de voir des choses? J'avais dit les émissions précédentes, parce que tu n'as pas encore perdu quelqu'un de cher. Le jour que tu vas perdre quelqu'un de cher, tu vas comprendre la douleur que Papa Matou Samuel a. Est en train d'en dire à ces temps ici. Nous sommes des hypocrites, nous, notre communauté. Nous sommes des hypocrites. Je ne dis pas que vous, nous, la communauté congolaise, nous sommes des hypocrites. Nous aimons en partie. Nous faisons semblant d'aimer, de compatir. Mais en réalité, nous entretuons mutuellement. Quand même, un peu de respect à la défunte. Un peu de respect à la personne qui a perdu son conjoint. Nous avons 20 ans, nous l'avons. Akoutien Abana 6, Babotine Misat, Babotine Misat. N'est-ce pas? Je me rappelle Maman Kapi a dit dans une des interviews, quelque part, que j'ai trouvé Matou Samuel avec Bana 6. Soyons tous les gens qui ont fait Misat. Ce que Bana 6, on a dit à Maman, moi, quoi, Koufa Liboso. Ce que Mami Balazawap. Parce que Kapi a l'obaki que. Akouti Papa Matou Samuel à Bana 6, Nanet Toboti 3. Ce que Mami Sato, Bino Bobali Sakia Outuap. Chers amis, soyons quand même sérieux. Nous avons un problème dans notre communauté. Et je sais que peut-être la plupart des gens n'aiment pas de telles réactions, telles réflexions. C'est dommage. C'est ça notre vie quotidienne. Nous voulons atimbara balinga rato finga. Mais il faut savoir quand même où insulter, qui insulter, comment insulter et dans quelles circonstances, dans quelles conditions que la personne que tu veux insulter là. Qui te dit que Matou Samuel est dans Botoutou? Botoutou, na omona ya famille na bino monzo mona moté. Tes propres Botoutou là, tu as un domaine donné dans votre famille. Ça n'évolue pas, ça ne marche pas. Vous voyez seulement des patous. Quoique c'est un homme public. Il faut quand même du respect, cher ami. C'est ce que je dis souvent.
tu ne pries pas pour la personne, mais tu veux critiquer la personne. La chose à faire d'abord, hein, ça c'est un conseil. Commence d'abord à prier pour la personne que toi tu vois là, il est dans la mauvaise vie. Je ne pense pas qu'après avoir terminé à prier, tu vas continuer à critiquer. Quand tu pries pour la personne, tu vas le conseiller. Mais quand tu ne pries pas pour la personne, voilà pourquoi tu sors, tu fais sortir n'importe quoi. Tu sors des insultes, tu minimises, tu les déclasses même, ce n'est pas un serviteur. Comment un serviteur a beaucoup fait? Est-ce qu'Azam Taliboso a beaucoup fait la moitié? Parce que ça, c'est un peu plus parce qu'on fait la mi-balle. Bon, mon abonné, quand il y a tout ça, moi. Come on, guys. Et puis, j'ai suivi quelqu'un de moi. Je ne sais pas s'il est membre de la famille. Bon, bien sûr, parce qu'il a parlé au nom de la famille. Bissiko Kei, Moto Lokio Tabomio, Landaye, yo, la Bible dit, il n'y a pas une relation entre les morts et les vivants. Lorsque quelqu'un prie les morts là, tu invoques les morts, c'est la sorcellerie. C'est biblique. C'est la divination. Il n'y a pas une relation entre nous les vivants et les morts. Ce sont des pratiques ténébreuses, des pratiques de sorcellerie. Parler aux morts, c'est sorcellerie. C'est la sorcellerie. C'est démoniaque, j'allais dire. N'est-ce pas? Quand tu dis Kapi, Ningamoli Monesekinaginamo. Koroba Kundakuana, Eza Ngongula Pamba. C'est ma belle, ça va s'effondrer et puis Okufana, ok, non, ma belle. Maintenant, vous parlez à qui? Landaye Penza. Alors, imagine-toi la première femme de papa Mantusa Moïse. Si quelqu'un aurait dit que Moto Abomio Akufa, n'est-ce pas? Réfléchissons ensemble. Si un des membres de la famille de la première femme de papa Mantusa Moïse avait aussi fait cette déclaration que Moto Abomio Akufa, mais ce qui est Zalaki, que Matum Tabomaki, pourquoi Matusa Abomoué? Pourquoi Mantusa Moïse est toujours en vie? Donc c'est pour dire que ma déclaration Bosala Kiwana sur Matou Samuel, c'est nul et sans effet. Ce n'est pas Matou qui a la vie des gens ou la vie de ses femmes entre les mains. Ce n'est pas Matou qui détermine quand est-ce que quelqu'un peut mourir. Ce n'est pas Matou Samuel. C'est Dieu créateur qui détermine quand est-ce que telle personne va mourir, c'est pour combien de temps. En Afrique du Sud, c'était avant-hier, hier plutôt, qu'on a enterré un grand Francine Game de la Belgique. J'ai posté un scène dans ma page Facebook. On a enterré un grand journaliste, Olani Iguala. Olani Iguala. Il a fait plus de 20 ans dans le monde du média. Un grand journaliste, on appelle vétéran dans les médias. C'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup, quelqu'un que je suivais beaucoup dans la radio. Je suivais sur la radio, je regardais sur la télévision. C'est quelqu'un que je regardais beaucoup. Donc, dans ces interviews, je ne manquais pas pendant cette tranche, les slots, là, de 15h à 18h, After Drive à la radio. Il m'inspirait, sa manière de questionner, sa manière de tacler les questions, sa manière de couvrir les événements. Tu sais à quel âge qu'il est mort? Il est mort à 44 ans. Je peux te dire, peut-être c'est en anglais, tu n'avais pas compris. Tu sais quoi, de quoi est-ce qu'il est mort? Akoufi na cancer. Kalan cancer. Donc le cancer a atteint le quatrième niveau. Et le cancer l'a terrassé pendant beaucoup d'années. Ce n'est que vers 2017 qu'il s'est révélé à la radio que j'ai été diagnostiqué du cancer. Et le cancer a déjà atteint le niveau, le dernier stage. Ils sont allés en Israël, ils sont allés consulter des médecins, des spécialistes. Mais dommage. Donc il a révélé cela, mais le cancer déjà l'est terrassé. À 2017, à 2019, il est mort. Maintenant, vous allez dire que c'est la femme là. Parce que sa femme est l'ancienne Miss Sud-Africaine. L'ancienne Miss Sud-Africaine, c'est la femme de notre défunt Kolani Iguala. Maintenant, vous allez me dire que la famille de la femme va dire que c'est la femme qui a mangé ces journalistes là. Parce que, pour quelle raison? Imagine toi, tu dis ça, la femme est là en train d'écouter. Hey, yo pena mama miss, au lieu mon bain, pena posa bozuine nyonso. Comment elle va sentir? Vous comprenez? Et on n'a pas vu dans les réseaux sociaux sud-africains comment on est tenté, qu'on est tenté d'insulter. On a fait des émissions que non. Parce que c'est une grande personnalité dans le monde des médias ici. Son funéral, son service, les obsèques étaient à la télé, chaîne nationale de SBC. Donc vous comprenez que la personne occupait une grande place dans la société médiatique en Afrique du Sud ici. Mais je n'ai jamais vu, je n'ai même pas écouté les Sud-Africains dire que non, la Miss, la Madame Kumalo, c'est elle qui a mangé M. Kolani Iguala. Ce n'est que nous, notre communauté. Nous sommes ta koufi, il fait la raïm ta dame. Tout bon la motema, bandeko, tout bon la motema, pardon. Ton abakindo qui est inconscient.
Garde ça dans ton YouTube, garde ça dans ton, dans ton téléphone. Les choses que je te dis là, toi qui es en train de dire n'importe quoi, que m'a tout le temps, un jour, lorsque tu couffes là, tu vas jouer cette vidéo ici que non, Bolo avait raison. Bolo avait raison. Je vous parle en conséquence des causes, parce que je connais, j'ai perdu ma mère, ma propre mère, que je ne peux pas remplacer au monde. Je sais la douleur que lorsque tu perds quelqu'un de cher. Maintenant, imagine-toi, tu viens me dire que non, Bolo a peine à l'église, maman n'a pas au Pemba. Mais tu dois être malade et sorcier. Donc, chers téléspectateurs, je me l'ai juste, nos amis internautes, donc pour que nous puissions comprendre une chose, que la mort de quelqu'un, c'est entre les mains de Dieu. Tel que tu me regardes là, partout où tu es connecté, branché dans notre émission, Espace Dialogue avec moi, Joseph Bolois. Tes séjours dans, sur cette terre, c'est entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui décide quand t'enlever sur la terre, lorsqu'il voit que ta mission est accomplie, ou tu as accompli ta mission, ou peut-être toi-même tu as provoqué ta propre mort. Tu peux aller consulter, mais consultant, pour chercher le pouvoir, l'argent, la richesse. Tu peux aller chercher la magie, et on te donne 5 ans de vivre. On a connu ça, beaucoup de prophètes ici à Kinshasa. Au Congo, là, on avait 3 prophètes, mais il y a un mot, on va passer 5 ans. Après 5 ans, on est quitté pour le film, sur Pola. Il y en a de ceux-là qui they were rotten. Ils se pourrissaient vivants. Parce qu'ils sont allés toucher là où on ne touche pas. Parce que si on a pouvoir, donc toi-même aussi, tu peux provoquer ta mort. Mais si tu ne provoques pas ta mort, mon cher, toi qui me suis maintenant là, Dieu, c'est lui qui met les limites dans nos vies. Ce n'est pas Matusamel qui décide quand est-ce que sa femme peut mourir. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui, parce que lui aussi, c'est un être humain, mon cher. Hein, cher téléspectateur, lui aussi va mourir. Il va passer. Mais au lieu d'abord de compatir à la personne qui est restée avec cette responsabilité, mais nous, we are hammering. En français, on dit quoi? On est en train de les clouer. Avec beaucoup d'émissions. Et la plupart des gens qui ont fait des, qui sont passés dans des émissions là, qui disent n'importe quoi, ils ne se connaissent même pas avec Matusamel. Il ne sait même pas comment il vit. Est-ce qu'il est en bonne santé? Comment il gagne sa vie? Comment est sa carrière musicale? Il ne sait même pas. Et parce qu'il a coupé lui. Matusamel, vous allez bien. Anandoki. Est-ce que vous savez que la situation là de non, Mama Kapi, pour que je termine, cher ami téléspectateur, ami internaute? C'était, je crois que, c'est déjà dans des réseaux sociaux, je crois que Pasteur Moukou n'avait qu'à expliquer. Cet incident, ce conflit entre Kapi et Matou, c'est arrivé en 2011. La soirée en 2011, comme Kapi a fait des chantages là, les Kiazui caméra, non, Matou Bimawa, quelqu'un filmait, aux Andumba, aux Aboué, au Tininga Lubumba, je ne sais pas, c'était en 2011. Pour juste vous balayer un peu votre mémoire, ok? Laver un peu nos cerveaux. 2011, 2012, c'était de la flamme. AMCSA a eu ça, ils ont essayé de suspendre Matusamel. À ce cas, là où l'église évoluait, le pasteur Moukoula l'a récupéré, ils ont prié pour eux. Kapi a demandé pardon à l'église. Ils ont arrangé les choses. Je ne sais pas, quelqu'un d'autre qui ne sait pas quelle mouche les a piquées. Je ne sais pas s'il n'aime pas Matusamel, il voulait voir la destruction du couple Matusamel. Il a fait sortir cette vidéo-là dans les réseaux sociaux. C'était vers 2014-2015. Pour nous, les gens qui consomment les vidéos, on pensait que Salamaki avant-hier ou 2 mois. Or, c'est le 2011. Et le pasteur Matou a déjà demandé pardon. Plutôt, Mama Kapi avait demandé pardon à l'église. Pasteur Moukouna a prié pour eux parce que c'est son père spirituel. Il voulait à ce cas, Bafoukame Babonde la Ponabango. Mais la situation s'est sortie, je crois, 3-4 ans après. Mais nous avons dit que non, Matou Zandumba. Mais c'est pas bon, c'est déjà. Vous comprenez ça? Donc, les réseaux sociaux ici, ça joue aussi pour la réputation ou le bien-être des gens. On doit faire très attention, chers amis téléspectateurs. N'est-ce pas? Ce qui est dommage, c'est que je ne saurais pas vous changer. C'est votre avis, vous êtes libre de mettre vos points de vue. Mais moi, je sais quand même que ma voix est entendue dans un groupe de gens qui cherchent quand même de bonnes manières, qui réfléchissent comme des hommes pour dire que notre roi c'est la loi à montoté, montakufito roi c'est la peine à passer à montoté. Pour le moment, Matou Samel a besoin de ta prière, a besoin de ton soutien, a besoin de ta compassion, a besoin
Ce n'est pas à toi de juger, mon frère. Parce que Nabi Makambo, il sala comme ta mona, même ta femme ne voit pas ça, même ton homme ne voit pas. N'est-ce pas? Ton homme ne voit pas ça. Ton mari là ne voit pas ce que toi tu fais là. Yamatouka n'ose pas aux plus d'énergie. Quand il s'agit de parler des autres, là, on prend trop d'énergie là. On n'a même pas de sources sûres. Mais nous parlons de n'importe quoi. Mais si on commence à parler de toi, voici ma réputation en gâté. Ne touche pas ma réputation. Oh, vous êtes là quand il y a base de réputation. Tu ne sais pas ce que ces gens-là endurent. Cher ami, réajustons notre manière de voir les choses. Réajustons nos réactions par rapport à des circonstances. Surtout, ce qui met cœur là, quand quelqu'un perd quelqu'un de cher. Au lieu de compatir, on est tenté de... Même la famille, la belle famille de Matou Samuel. Bandekonanga, ça c'est un conseil que moi je vais vous donner. Si vous, réellement vous êtes des enfants de Dieu, vous êtes des chrétiens, comme le Congolais Totonaba chrétien béni, respectons maman Kapi. Pour l'amour de maman Kapi, que son âme se repose en paix. Botika Matou Samuel Kimia, s'il te plaît, s'il vous plaît, laissez Matou Samuel calme. Il a une responsabilité des enfants. Moi j'ai pensé que vous allez vous dire, papa Matou, un de nos soeurs ou une de nos cousines, cousine viendra à prendre des soins à Bana pendant une période. Je ne sais pas si vous allez le faire. Tobobi, alors le coup fait le moi Tosundo Lyonabana. Bobite, papa Matou, le rôle au lié moi à Nabiso. Supporter papa Matou Samuel. Vous acceptez, bondi maye. C'était pour les meilleurs et les pires jusqu'à ce que la mort nous sépare. La mort les a séparés. C'est à Matou Samuel avec son Dieu de décider s'il faudrait qu'il se remarie ou pas. Parce qu'il n'y a plus de relations. Tu dois seulement te marier lorsque la mort vous sépare. Pas d'autre chose ou en cas de fidélité. Comme la mort les a séparés, c'est à lui de choisir s'il va s'épouser ou pas. Qui sait? Beaucoup de gens veulent aussi marier Matou Samuel. C'est à lui de choisir. Vous n'allez pas lui dire quoi faire. C'est lui de se décider. S'il veut se remarier, c'est à lui. Il est libre. D'abord, il ne va pas pécher. Hein? Il ne va pas pécher. Toi qui me suis parce que tu ne sais pas, tu es choqué. La Bible dit Okobala rara soki, partenaire no akoufi. Loko la koufi, aza libre. Peut-être cette année ici, tu vas 2020, tu vas 2021, la douleur pourrait être un peu trop grande. Pour tes annonces, ma casse, c'est pas à vous de décider de que non, ma toi bala tété, ma tout soit linga bala ou bala naye. Papa Matou, si tu vas suivre cette vidéo, ou les amis qui vont suivre cette vidéo, si tu veux te marier, tu es libre. Parce que la Bible t'autorise de le faire. Mais ce n'est pas à vous de le pousser. Quand? De la même manière avec Moïse Mbi. Bah là, il est naza libre. Et c'est lui qui va décider s'il va se marier quand et comment et avec qui. C'est pas à nous de dire non non. Atika kaka balaté hein. Pour tout monde za bototo, mana va soko balaté à bala. OK. Grand merci na maman Liv Lembe pour votre soutien. Merci na Michel Bakenda. Et l'équipe Mba Atès, merci à vous de pouvoir passer voir Papa Matou Samuel. Grand merci à AMCC. Nous vous avons vu très nombreux pour soutenir notre frère Papa Matou Samuel. J'ai vu le frère Denis Ngonde était toujours là au four au moulin. Il a exhorté même. Merci à l'apôtre Ben Capita qui a conduit la prière pendant l'enterrement. Merci à frère Patrice Ngoye Moussoko, le pasteur Patrice Ngoye Moussoko. Vous étiez toujours là ensemble avec d'autres musiciens chrétiens. Mama Chabani, merci à vous tous. Vraiment, au travers de cette émission, au travers de Congo Dialogue, moi je vous remercie, nous vous remercions pour votre soutien. Du moins, n'attends pas si nous sommes là, 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 nous sommes là. Donc, merci à toute l'association des musiciens chrétiens au Congo pour votre soutien. Merci aussi à Maman Francine Nguema de la Belgique. C'était la réflexion que Bolo voulait. Merci beaucoup à Maman Francine Nguema de la Belgique, la grande dame. Voilà, nous amenons des réflexions ensemble pour essayer un peu. Bon, c'est vrai qu'on ne saura pas éduquer tout le monde. Chacun a sa manière de voir les choses. Et puis, chacun est libre de réfléchir ce qu'il veut réfléchir, de dire ce qu'il veut dire. Nous sommes dans un pays où il y a l'état des droits que le président Fatou veut restaurer. Mais je pense que quand tu dis des choses, il faut quand même réfléchir. Est-ce que ça n'affecte pas l'autre, n'est-ce pas? Quand tu apportes des critiques, est-ce que ce sont des critiques constructives ou destructives? Et avant même des critiques, il faut avoir des preuves et des faits palpables, vrais, que tu as ça. Même si c'est vrai, quand il s'agit de la mort, ce n'est pas toi qui peux décider quand est-ce que la personne peut mourir, parce que toi aussi tu vas mourir.
Grand merci. Prof Bellon, prof Bellon, merci à toi. Prof Bellon, prof Bellon, White Cloud Campus, dans South River, centre des langues et des formations. Nous sommes ensemble avec vous, maman Francine Ngembe, merci. Cas grave, son Andila. Nakata Kinshasa, grand bosseur Nakata Congo Dialogue, un bon journaliste, il pose de bonnes questions, il conduit une belle émission. Tandima nango sem salabene andimio pena précieux. Songandi la cas grave. Terra Nova, une très belle émission, il reçoit des gens de bonne manière. Zabatimbara mona rate na ben sultité. Pito lembi peti. On a besoin d'état de droit. Il faut que l'état de droit revienne, n'est-ce pas? Il faut que l'état de droit revienne aussi même dans le média. L'état de droit revienne vraiment. Merci à vous tous, chers amis téléspectateurs. Vous êtes nombreux à pouvoir nous suivre jusqu'à un prochain numéro. Maman Francine Ngembe, merci pour votre temps. Et grand merci à tous nos amis qui nous soutiennent de près ou de loin. Restez branchés jusqu'à un prochain numéro. Soki na pesi bo moina na trepa na yovo na ko pesa na nani. Soki o kango ni tenza melangai na mi mosusu. Bobele yo papa. Bolona. Yo mi kabaki esue. Yo elongaranga Yesu. Ongarabika. Yo zali nyo sopo na naye, yo zali nyo sopo na naye.